Alors, bonjour tout le monde! Bienvenue sur la chaîne YouTube de Alexian Lessard. Et aujourd'hui, je vais vous faire la description, en fait, l'explication de c'est quoi ça, Bucky Ware. C'est une émission qu'il y avait dans les années 90, un dessin animé pour les enfants. Et c'était genre un lapin vert fluo qui vient de l'espace puis qui se promène dans l'espace avec ses amis. Je connais pas beaucoup l'histoire parce que j'ai jamais vu en fait un seul épisode de ça. Sauf que le jeu de Bucky Ware, je trouve qu'il est vraiment bien fait, puis il explique bien qu'est-ce qui se passe par la suite. Donc j'ai déjà joué sur les émulateurs, mais j'ai déjà aussi joué sur un Nintendo. Puis je dois vous dire que c'est vraiment, ça vaut la peine du détour. Du détour, pardon. Donc mes amis jouaient à ça quand on était jeunes. Puis je me suis toujours demandé la question, mais c'est quoi ce jeu-là? Je veux jouer, mais je pouvais jamais jouer. Jusqu'à temps que je trouve une cassette que le jeu de Bucky Ware était dessus. Puis c'était une cassette piratée, bien sûr, qui venait de la Chine, mais au moins, je pouvais jouer pour la première fois à Bucky Ware. Maintenant, je joue sur mon ordinateur ou sur mon téléphone cellulaire intelligent avec des émulateurs, donc pas la peine d'expliquer comment ça fonctionne. C'est assez compliqué de configurer comme faut son émulateur. Donc, si ça vous dit, vous pouvez toujours essayer. Les émulateurs, il y en a plusieurs sortes là, pour chacun de vous tous. Chacun est au son compte. Donc, Bucky Ware. On est un lapin vert fluo radioactif de l'espace. Et on doit traverser les niveaux de plateforme qui sont assez difficiles. Merci. Et tout ça pour dire, on pogne des power-ups, des améliorations pour le personnage, et on va chercher les amis de Bucky qui sont sur les autres planètes. Bon. Le scénario est assez original, donc je trouve que déjà là, ça vaut la peine d'essayer le jeu. Et bon. C'est ça. Là, des places compliquées et difficiles, il y en a comme drette là, la lave qui me suit partout pour me faire endormir. Mais bon. C'est un jeu vraiment intéressant et ça vaut la peine de bosser dessus pour réussir les niveaux. Donc, franchement, je vous le recommande. Ceux qui savent pas c'est quoi qui se passe dans Bucky Ware, ben, moi non plus, je sais pas. Mais le jeu est le fun, la musique est bonne, les personnages sont drôles, mais les boss sont vraiment difficiles, puis les niveaux aussi sont vraiment difficiles. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? Ben, c'est un jeu de plateforme, tout simplement. On doit apprendre à passer au travers les difficultés, comme dans tous les bons jeux de plateforme ou Nintendo. Sauf que cela est vraiment difficile. Bon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En fait, je connais rien d'autre sur l'histoire du jeu. Il y a un petit robot, il y a un canard, il y a une fille genre chat, puis il y a un gars avec des lunettes. Ça, c'est les personnages qu'on peut avoir. Mais c'est ça, on joue souvent avec Bucky. Là, c'est ça. Dans le fond, moi, ce qui m'intéresse dans ce jeu-là, c'est me rappeler comment mon ami avait de la difficulté à faire le niveau quand j'étais jeune. Puis, je sais même pas si j'ai réussi à le terminer. Mais, on le saura peut-être dans un commentaire. Donc, si tu te reconnais, super ami d'enfance, dis-nous donc si tu as réussi à terminer le jeu. Toi qui es si fort au jeu vidéo. Donc, je suis sûr qu'il doit rougir en ce moment, mais je ne dirai pas son nom. Donc, c'est ça. J'ai rien d'autre à dire. Donc, je vous dis merci d'avoir écouté la vidéo sur la chaîne de Alexian Lessard. Je vous dis à plus. Abonnez-vous, partagez, mettez un j'aime, commentez. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Donc, voilà. Alors, je vous dis à plus. Ciao, ciao.